Super intro. Super intro. Coucou mes chatons, on se retrouve pour encore une fois. Pardon. Donc on est toujours du coup le 20 décembre. Et oui, on se retrouve du coup pour... Alors j'ai reçu la box hier. Voilà. Mais hier j'avais le swap, donc il fallait que je tourne en même temps que le calendrier. Donc voilà. Ensuite... voilà quoi, j'ai pas pu. Donc là je le fais, hein. Alors vous allez me dire encore une nouvelle fois une arnaque. C'est ce que j'ai pensé au début, mais après j'ai réfléchi, je me suis renseignée pour une fois là, pour le coup. C'est une marque belge, donc c'est pas en France, hein. Voilà, big up aux Belges s'il y en a. Voilà, c'est le même principe que la box bijoux que j'avais prise précédemment, hein, pour pas la citer. Oh, hashtag A quoi. Pourquoi j'ai dit hashtag A, mais c'est pas grave. Sinon, bah, vous allez dans mes trucs et dans mes playlists d'ailleurs, il y a lié quoi, enfin, ils y sont. Donc voilà, alors déjà j'ai reçu ça comme ça, c'est 10 000 fois mieux, hein, comme packaging, enfin comme présentation. Alors là, la marque s'appelle The Beige Jewel. Hein, voilà. Donc là, mais la box ça s'appelle Beige Box. Marqué d'ailleurs, voilà. Donc moi je trouve ça trop mignon, bien présenté. Alors la box coûte 40€, voilà. Mais là par contre c'est précisé, il y a les taxes incluses dans le prix, donc ça change pas. Et bon, j'assume, mais ça vient de Belgique, donc j'ai, pour être précis, 9,99€ de livraison, mais voilà, ça vient de Belgique quoi. Et du coup, je sais pas ce que je voulais dire. Donc je me suis dit voilà, mais il y a un truc qui m'a dit, je me suis dit allez, c'est encore un truc. Après quand j'ai compris que c'était belge et en plus, pour chaque commande t'as un arbre planté. Donc déjà ça m'a un petit peu motivée. Motivé pour la prendre en fait, et du coup bah j'ai décidé de le faire et donc du coup de vous le partager, hein. Alors, donc je vous fais pas montrer de l'autre côté parce qu'il y a mon truc. Alors là il y a une petite carte, il y a marqué wishing you et your family, donc Merry Christmas the beige. Et genre c'est une petite carte pour envoyer, voilà. Ah, j'arrive, voilà. Ah, toute mignonne. Ensuite, donc le principe de appeler, ça va pas tenir si, non. Tu crois que ça va tenir? Jusqu'à quand, je sais pas. Donc le principe c'est comme c'est deux bijoux, hein, c'est pour l'acier inoxydable, voilà. Donc voilà. Donc c'est présenté pour le coup, il n'y a pas de carte d'authenticité. Parce que j'ai regardé quand même avant. Voilà. Dans des petites pochettes comme ça. Beige, forcément. Voilà. Donc c'est trop mignon. Il y a déjà un produit qui. Chut. J'ai rien dit. Voilà. Alors. Il n'y a pas de sur matière. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de.
comment on appelle ça, pas de petits trucs pour protéger encore. Donc là nous avons un bracelet. Donc je sais pas si vous avez voyez. J'aime bien, c'est mignon. Hop là, ce sera mieux pour moi de me lever. Je vais y arriver. Il y a une petite chaînette déjà pour le 1 hein, pour élargir parce que alors ça voilà. Donc je vais y arriver ou pas. Hein? Vu qu'il y en a deux, c'est compliqué à faire montrer. Là. Voilà. Donc en fait, là il y a des petites comment dire des petites boules roses et l'autre plus de voix. Et l'autre c'est une chaîne avec des petites boules normales, mais ils sont ensemble en fait. Voilà. Donc ça je vais voir si ça fait bien. Hein? Et puis après si je trouve que ça que j'aime pas bah vous savez ce que hein? Vous savez ce que ça va où ça va aller quoi. Voilà. Et ensuite, donc la deuxième pochette c'est pareil. Hop. C'est un collier. J'aime pas. Je n'aime pas, j'aime pas le pendentif. Voilà. Donc le pendentif, du coup je vais pas tester le collier. Hein. J'arrive pas à vous faire montrer la. Voilà. Et puis bah la chaîne, hein, c'est une chaîne comme ça. Voilà. Il y a aussi des chaînettes. Aïe, aïe. Donc celle-là. Vous avez bien compris que ça va être pour vous. J'ai pas eu de, comment dire, de précision pour les photos sur Instagram. Donc au pire, je testerai juste pour les photos, quoi. Enfin, testerai. Je le mets. Je prends la photo et basta, je l'enlève, quoi. Ça sera pas parfum, douche, voilà quoi. Déjà, même ma mère l'a pas aimé. Voilà. Alors, dites-moi ce que vous en pensez. Si vous êtes d'accord, si vous l'aurez pris à votre. Si vous avez eu l'occasion de faire ça par rapport aux arbres plantés et que ça vienne de Belgique et que bah, la livraison, bien évidemment. Voilà. Et lequel des deux vous préférez? Moi, c'est le bracelet parce que je trouve ça original. Et pour le collier, j'aime pas le pendentif, mais après, c'est personnel. Donc voilà. Donc, et en plus, je sais même pas quelle box c'est. Hein, mais je crois que soit c'est la box de novembre, soit c'est la box de décembre. Donc voilà. Je ne sais pas. Faut que je me renseigne là-dessus pour le coup. Voilà quoi. Donc on se retrouve. Demain pour la dégustation box pour le coup que je vais unboxer demain bien sûr. Je sais pas si ça va être posté demain mais voilà. Oh, ça va être le bordel. J'ai je sais pas combien de tournages en ce moment là. Voilà. Le 23 en plus j'en fais 3 vidéos d'affilée. Ça va être quelque chose. Donc voilà. Donc voilà pour l'instant écoutez ça va. Enfin. Voilà. Après, les goûts et les couleurs. Voilà. Tout le monde a ses avis. Moi, je trouve que j'ai bien fait de la prendre. En plus, j'ai vu ça sur Instagram. Voilà. C'est moi qui a demandé, en plus. Pour le coup. Ça m'étonne pas qu'ils ont accepté. Hein. Normalement, les trucs de bijoux, c'est rare s'ils refusent. Voilà. Voilà, donc j'ai hâte de voir votre retour pour cette petite première box. Enfin, première box, oui. Allez, n'oubliez pas le j'aime, le commentaire. Voilà. Vous abonner.
si le cœur vous en dit. Voilà. Je vous fais des gros bisous. Oui, je vous aime. Et on se retrouve demain. En tout cas pour les Vlogmas. Voilà.